Puisque vivre ensemble, pour moi, la plus grande chose, c'est le respect mutuel. Ah, c'est respecter les diverses cultures, les diverses nationalités. Le vivre ensemble, c'est la convivialité. La convivialité. C'est peut-être trouver, faire des compromis. Vivre ensemble, équipe, cohésion. Ensemble, c'est mettre la pierre à l'édifice. Vivre ensemble, c'est s'entraider. Se soutenir, s'entraider, se rendre service. Ben pour moi, vivre ensemble, c'est la solidarité entre les âges et les couches sociales. C'est formidable, si je ne l'avais pas, il faudrait que je l'invente. Comme viennent de le dire nos concitoyens, les Bennavois, le vivre ensemble, ça peut être le respect, bien évidemment, la convivialité, le compromis, mais aussi l'entraide nécessaire pour faire en sorte que ces notions de valeurs essentielles puissent être le mieux vécues par les uns et les autres. Tout ça est bien évidemment renforcé par ce caractère rural sur lequel nous avons la chance de vivre à Bennave. Dans le film que vous allez découvrir immédiatement sur le vivre ensemble à Bennave, 8 thèmes se dégagent. Le premier est la notion de proximité. Les habitants des hameaux du village de Bennave doivent être considérés comme ceux qui vivent sur le bourg, bien évidemment. Le bien-vivre, avec la notion aussi de service, sur lequel nous voulons vraiment donner de l'importance, mais aussi, bien évidemment, les commerces nombreux sur la commune de Bennave. Le vivre ensemble, c'est bien évidemment aussi les initiatives créées par les bénévoles, les associations nombreuses sur le territoire bennavois qui permettent effectivement pratiquement chaque week-end de se retrouver. Le vivre ensemble, c'est là aussi un point important, l'accueil de nouvelles populations avec cet écoquartier qui va démarrer dans quelques jours aujourd'hui, mais aussi donc Ali Habitat qui viendra rénover une résidence sur Bennave et permettre donc l'accueil de 5 nouvelles familles. Le vivre ensemble, c'est les échanges. C'est le terrain de foot, mais c'est l'ensemble du monde sportif, bien évidemment. C'est ce projet de parcours sport de santé, mais c'est aussi ce centre omnisport dont chacun s'accorde à trouver là un équipement important, mais aussi donc qui permet de rassembler l'ensemble des sportifs du territoire. Le vivre ensemble, c'est bien évidemment l'éducation avec l'école publique de Bennave, mais c'est aussi le collège, mais bien évidemment le centre de loisirs avec l'accueil périscolaire et donc l'installation du centre de loisirs sur la commune à côté du Vert Plateau et portée par la communauté de communes. Le vivre ensemble, c'est l'assistance avec nos amis des sapeurs-pompiers, mais c'est aussi l'assistance en direction des personnes âgées avec ce foyer logement au cœur de Bennave et ce projet très important et très attendu de la maison de santé pluridisciplinaire qui va, elle aussi, démarrer en 2013. Le vivre ensemble, c'est bien évidemment la culture, avec le musée de l'automobile qui atteint aujourd'hui 3000 entrées. C'est le point infotourisme qui permet d'accueillir nos touristes, mais c'est aussi ce projet important, donc au cœur de Bennave encore, avec la médiathèque qui devrait aussi démarrer au cours de cette année. Les membres du conseil municipal de Bennave et moi-même donc, sont heureux de vous montrer en image un panorama du vivre ensemble à Bennave à travers à la fois les réalisations 2012 mais aussi les projets 2013. Pour que les habitants des hameaux aux alentours de Bennave restent toujours proches de leur village, nous réservons chaque année un budget conséquent à la voirie. Par exemple, ici même, au hameau de la Jonchère, nous avons refait les routes ainsi qu'une station d'épuration. Thank you.
vivre ensemble, c'est aussi offrir aux habitants de Bellenave, mais aussi aux habitants des communes voisines, un certain nombre de commerces à disposition donc, de cette commune centre-bourg, qui a tenu depuis des décennies à maintenir cette activité commerciale indispensable au vivre ensemble. C'est pour ça que nous continuons à investir pour le compte des commerçants. La commune de Bellenave possède 50% de l'immobilier des commerces, et ce qui permet donc aujourd'hui d'avoir de manière la plus large un éventail de commerçants qui permettent à nos habitants de s'y retrouver et de ne pas partir ailleurs. Le dernier projet donc est celui de l'agrandissement donc de cet espace commercial d'alimentation générale du casino, qui est juste derrière moi et qui permettra aux habitants donc de profiter donc non seulement de prix attractifs mais aussi de produits supplémentaires que nous n'avons pas aujourd'hui. Cet agrandissement qui devrait pouvoir commencer en 2013 sera cofinancé à la fois par l'État, le Conseil général et bien sûr la commune de Bellenave qui louera. Et tout ça sera un équilibre au niveau budgétaire et cela ne coûtera rien aux contribuables bellenavois. Nous sommes sur le site du centre omnisport couvert réalisé par le syndicat intercommunal d'équipements scolaires et sportifs du collège Jean-Baptiste Desfiles. Ce bâtiment réalisé en 2009 permet à la fois d'accueillir les collégiens au niveau sportif mais aussi l'ensemble des associations du territoire, des cantons, d'Ébreuil et de Chantelle. Ce bâtiment a été construit dans la démarche HQE, haute qualité environnementale, raccordé à la chaufferie collective bien évidemment, mais aussi recouvert de photovoltaïque, soit 1000 m² de photovoltaïque, premier bâtiment le plus important recouvert en Auvergne en 2009. Aujourd'hui, ce bâtiment permet aussi la notion bien évidemment de vivre ensemble par l'exercice sportif tant associatif que collégien, et je pense que l'ensemble des sportifs du territoire sont satisfaits de cette réalisation. Ajoutons également que les Bellenavois ont la chance d'avoir sur la commune une vingtaine d'associations très dynamiques. Les habitants, mais aussi les nouvelles populations, auront la chance et ont la chance de pouvoir bénéficier à la fois d'associations culturelles, sportives, mais aussi ludiques.
Avec l'ensemble des élus du conseil municipal, nous travaillons depuis 2008 à la réalisation de cet écoquartier qui est positionné sur la route des Breuils. Il est aujourd'hui confié à un aménageur qui a la charge de réaliser ce projet, ce programme ambitieux pour notre commune, hein, qui à la fois va dans la démarche d'accueil de nouvelles populations, des gens qui ne viendraient pas forcément naturellement sur notre territoire et qui se retrouveront dans cette démarche de développement durable que la commune de Belnave a mis en place depuis un certain nombre d'années et qui permet aujourd'hui de répondre, de respecter l'environnement d'une part, mais aussi de répondre à des enjeux planétaires par ailleurs. Donc ces habitations seront par contre obligatoirement raccordées à la chaufferie collective qui est positionnée à quelques dizaines de mètres d'ici. Et donc les habitants pourront bénéficier de cette chaleur issue donc, du bois de nos régions. Le vivre ensemble, ce n'est pas accueillir des nouvelles populations propriétaires, mais aussi des locataires. Nous sommes ici donc sur une future résidence implantée à côté de l'ancien bar du Stop, et nous avons fait le choix de mettre à disposition ce bâtiment à un bailleur social, donc Ali Habitat, qui va rénover, réhabiliter cette résidence en 5 logements. À proximité, nous avons aussi le projet de faire quelques garages pour que cette réalisation se fasse du mieux possible, pour que cet espace soit partagé pour les enfants, et bien nous allons aussi donc démolir cet ancien bâtiment qui avait été utilisé à un moment donné pour Groupama. Nous sommes sur le site du futur terrain de foot synthétique qui sera réalisé au cours de l'année 2013. Ce projet a pris un peu de retard suite à la problématique que nous avons eue pour l'acquisition du terrain qui est juste derrière moi. Les raisons qui ont prévalu au niveau du conseil municipal sont de plusieurs ordres. C'est déjà laisser du foncier disponible en plein cœur du bourg de Belnave pour de futurs équipements tels que le centre de la salle polyvalente hein, qui sera implantée à ce niveau-là, mais aussi également la MSP prochainement, la maison de santé pluridisciplinaire. La seconde raison, c'est que nous ne répondions pas à la réglementation de la fédération de football. Nous avions un terrain trop court qui ne pouvait pas être éclairé. Et tout ça nous a amené donc à demander des financements. Et nous avons un projet qui est largement financé à plus de 70% par le Conseil général, par l'État, mais aussi la Fédération nationale de football. La troisième raison, c'est la proximité du centre omnisport avec les vestiaires qui sont tout proche, et nous pourrons effectivement avoir un terrain où nous n'aurons pas d'acquisition et de réalisation de vestiaires supplémentaires à faire et à réaliser. Donc ce projet démarre très prochainement et sera réalisé aussi dans le cadre de la mission qui est confiée donc à notre aménageur, l'ASSO. À proximité de cette maison sera implanté le parcours de santé. Ce projet s'inscrit dans la démarche de liaison entre ces futurs habitants qui seront ici devant moi et les habitants de Belnave qui pourront bénéficier bien évidemment de cet équipement de parcours de santé et ce lien, cet échange et aussi le vivre ensemble bien évidemment. Et nous sommes fiers de pouvoir le réaliser entre les équipements sportifs et cet écoquartier. La commune de Belnave a la chance d'avoir un beau collège, mais on peut dire également que le collège Jean-Baptiste Desfil a la chance de se situer dans un environnement et un territoire favorable au vivre ensemble. L'établissement est à taille humaine puisqu'il comporte environ 300 élèves, ce qui permet une bonne connaissance à la fois des élèves et de leurs familles. En plus de ces activités éducatives obligatoires, le collège propose de nombreuses activités culturelles variées. Les activités obligatoires, bien sûr, ce sont les langues telles que l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le latin. Les options proposées
la découverte professionnelle 3 heures pour les élèves de 3e, une option européenne espagnole et de l'anglais renforcé en classe de 3e. De nombreuses activités culturelles et artistiques sont proposées aux élèves sur le temps de la pause entre 13h et 14h, que ce soit le club théâtre, le club vidéo anglais, le club calligraphie, le club scrapbooking, le club art plastique. Et cette année, le collège a mis en place un projet développement durable. Et donc, un club jardin s'est ouvert à la rentrée également, qui propose aux élèves d'aménager les espaces verts du collège. Deux enseignants vont encadrer un petit groupe qui va, avec l'aide technique des services de la mairie, aménager les plates-bandes du collège. Les élèves de 6e vont également aménager les plates-bandes du collège, là aussi avec l'aide de la mairie et avec le professeur de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Toujours dans le cadre du développement durable, nous avons mis en place du compostage des déchets alimentaires. Et une collaboration s'est instaurée également avec le SICTOM Sud-Allier, qui est venu par le biais d'un maître composteur expliquer aux élèves et au personnel l'intérêt et l'organisation du tri sélectif des ordures. Et enfin, c'est sur ce terrain traité par la commune que nous envisageons d'aménager un jardin pédagogique pour les élèves, animé par deux enseignants, et bien entendu avec là aussi l'aide technique de la mairie, qui permettra peut-être de produire des fleurs au printemps 2013. Là encore, je crois, c'est un bel exemple du vivre ensemble, d'autant plus que nous espérons la collaboration avec des anciens, soit pour leur aide technique, soit pour leurs conseils avisés. Donc l'école Félicien Bartou est une petite école primaire qui est composée donc de deux classes maternelles et de trois classes élémentaires. Donc en tout, nous sommes 5 classes. L'effectif actuel est 110 élèves. Donc, tout autour de l'école, des clôtures ont été installées l'an passé par la commune. Donc, ce sont des clôtures réglementées. Là, nous pouvons vraiment remercier la commune puisqu'ils ont aussi aménagé le tour pour embellir le cadre de l'école. Depuis plusieurs années, notre école participe à un projet européen, le projet Comenius. Cette année, nous travaillons en fait sur le thème des contes, notamment donc, les animaux dans les contes de notre patrimoine culturel. Nous avons aussi l'ambition de faire une fresque murale avec la participation financière de la commune. Donc sur ce pan de mur, nous aimerions travailler la mosaïque avec les enfants et l'aide d'une artiste locale. Donc cette mosaïque rassemblera certainement des animaux que l'on retrouvera dans les contes écrits par les enfants. Donc cette fresque a aussi pour objectif d'améliorer le cadre de vie des enfants. Et les enfants auront pleinement joué leur rôle dans la réalisation de cette œuvre. Dans le cadre du développement durable et aussi pour assurer une meilleure liaison entre la commune, le collège d'école primaire, derrière la petite maison jaune qui est derrière moi, nous envisageons de créer donc un jardin partagé pour que les collégiens et les enfants de l'école primaire puissent réaliser des activités pédagogiques autour du jardin. Nous sommes ici devant le centre de loisirs intercommunal situé au lieu dit La Tuilerie sur la commune de Bellenave. Il a été construit par la communauté de communes Sioule-Colette-et-Bouble pour les enfants du territoire. Il est ouvert depuis le 4 juillet 2012 et a une capacité d'accueil de 100 enfants. Le transport est organisé afin que tous les enfants des 17 communes puissent fréquenter régulièrement ce centre de loisirs. Et les animateurs ont pour mission de faire en sorte que les enfants apprennent à vivre ensemble. C'est un moyen d'échange entre tous les enfants du territoire et un lieu de rencontre pour toutes les familles.
Je suis le major Michel Bournic, chef de centre des pompiers de Bellenave. Nous sommes 24 sapeurs-pompiers à l'heure actuelle. Nous effectuons environ 250 interventions par an sur un secteur de 13 communes, aux alentours de Bellenave. Oui, pour les personnes qui désirent venir nous donner un coup de main en tant que sapeurs-pompiers, donc se renseigner vers moi. Et pour les jeunes qui veulent faire jeunes pompiers et devenir après pompiers volontaires, il y a une école de JSP, donc jeunes sapeurs-pompiers à Ghana, et vous viendrez vous renseigner au numéro de téléphone indiqué. Au cœur du village, tel est le leitmotiv permanent pour le hameau de l'Amitié et son équipe. Son implantation au centre-bourg permet à chaque résident de participer à la vie culturelle, associative et économique de Bellenave. Au sein même du foyer logement, de nombreuses activités sont proposées pour maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les résidents. Le professionnalisme de l'équipe d'encadrement contribue à une ambiance confortable et sécurisée à la plus grande satisfaction de tous. Nous travaillons depuis juin 2010 sur le projet d'une maison de santé pluridisciplinaire d'environ 500 m² qui devrait regrouper les deux cabinets médicaux, l'espace kiné pour nos deux kinés ostéopathes, un cabinet dentaire et deux cabinets infirmiers, avec la possibilité d'accueillir différents intervenants paramédicaux tels diététiciens, pédicure-podologues ou psychologues. Le bâtiment sera situé donc derrière moi, rue du 8 mai. Le but étant de préserver une entité médicale sur le territoire de Bellenave et de partager des informations médicales entre les différentes professions de santé. Le vivre ensemble, c'est rendre la culture accessible à tous. Le musée automobile de Bellenave, avec ses 3000 visiteurs par an, s'inscrit complètement dans cette démarche. Il est d'ores et déjà détenteur de 3 des 4 labels Tourisme Handicap. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux déficients mentaux, aux déficients visuels. Notre collection, hors du commun, d'environ une cinquantaine de voitures, est donc accessible à tous. Nous sommes ici dans la bibliothèque actuelle de Bellenave. Dans notre projet de départ, nous écrivions « Nous voulons faciliter l'accès à tous les publics, à la lecture, et surtout créer et renforcer du lien social sur la ville. » Pour ça, depuis 2 ans, nous avons d'abord aménagé l'espace et créé un coin enfant. Nous avons voulu diversifier l'offre et surtout être plus réactifs. Nous avons développé des partenariats avec l'école, le collège, les associations. On a voulu aussi créer des animations autour de genres nouveaux, la poésie, le conte, faire venir des poètes, des conteurs à Bellenave. Et puis, ça a été le projet 1, 2, 3 albums, là des jeunes, des collégiens, des anciens du foyer logement, ensemble. Et puis, passion lecture aussi, un club où se retrouvent les gens qui veulent bien, qui osent venir parler de leurs livres, partager. À la rentrée, c'est aussi le portage à domicile pour les gens empêchés de venir à la bibliothèque. Voilà où nous en sommes. Derrière moi, au premier étage, les fenêtres de la future médiathèque de Bellenave. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la future entrée. Il faut imaginer bien sûr une entrée remaniée, élargi, à l'arrière une banque d'accueil pour vous accueillir avec bien de l'espace. Ensuite, des coins qui seront dédiés aux différents publics, qui nous donneront beaucoup plus d'espace pour vous accueillir. Un espace multimédia pour pouvoir entrer de plein pied dans l'offre prochaine de la médiathèque de téléchargement en ligne. Des coins vides au milieu pour accueillir vos projets, pour que nous puissions continuer à construire avec vous. Et puis surtout, vous voyez,
une accessibilité permettant aux gens en difficulté de se déplacer ou au fauteuil roulant d'accéder sans problème aucun à la future médiathèque. Pour nous, le vivre ensemble, ça se construit. S'écouter, partager, agir, une place à chacun, c'est ce qu'on vous propose. Venez nous retrouver. Notre centre-bourg se développe grâce à vous, grâce à l'ensemble du personnel du Centre communal d'action sociale, mais aussi de la commune. Je vous souhaite à tous une excellente année pleine de bonheur et de réussite. Et secondement, non. Pour que les enfants puissent apprendre à vivre ensemble. Vous ne pouvez pas couper. Pour que les habitants de...